À la guitare pour vous ce soir. Bon regard. À la batterie. Au son, Yann Cholet, Thérèse Spilly. Merci l'équipe de la Cigale, c'est Paul Porto avec nous. Merci Cyril, merci la famille. Ça fait du bien d'être accueillir à Paris comme ça. C'est rare, je crois. Eh, t'as vu, on a osé passer le périph', on est venu chercher. Merci. Alors, pour s'en aller, est-ce qu'on va s'en aller un jour? Une petite chanson de Narvalo, vous savez. C'est long, hein? Est-ce qu'il reste des terrains vagues à Montreuil? Est-ce qu'il reste un petit peu de sauvagerie, un petit peu de liberté, de la liberté? Et du voyage. C'est l'histoire d'un petit garçon. Il n'a jamais vu la mer. Le seul bateau qu'il a vu, c'est un petit bateau en papier qui est logué dans son canigo au bas de son immeuble. Pourtant, il s'est dit, il le sait. Il sait que sur mer, il sait que sur la terre, c'est mort. Il sait que sur la terre, c'est mort. Vous savez que sur la terre, c'est mort. Déjà, ils font n'importe quoi. Hein. Alors il s'est dit, tout petit comme il est, il n'a jamais mis le pied sur l'eau, mais il s'est dit, moi je vais partir en bateau. Moi je vais aller en mer. Moi je vais partir vers les îles. C'est l'histoire de ce petit garçon, il va partir vers les îles. Alors il a rencontré forcément une marine. Il y a un bateau, une vraie marine. Pas une fausse tout bidon avec un père tout bidon, Marie. Première escale vers les îles. Eh, à Montreuil, c'est facile. Petit arrêt au Brésil. Mesdames et messieurs, celle qui nous amène vers les îles ce soir avec nous, avec vous, Flavia Coelho. Bonjour.
Sera facile, dans nous prendrons le temps.